Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. Je suis allée ce matin à Action pour aller chercher du sopalin et du papier toilette. Et j'avais vu sur Facebook qu'Action avait sorti une nouvelle, un nouveau massicot. Voilà. Et donc j'ai dit je vais regarder s'ils l'ont chez moi. Et il l'avait. Voilà. Miracle. Il l'avait. Alors, ce nouveau massicot n'est pas comme l'ancien. Donc, l'ancien, je ne l'ai pas préparé. Comme d'hab. Enfin, vous connaissez, c'est le noir. Bon, ça y est, je ne sors pas. donc, le noir avait la... Enfin, si, je vais le sortir. Donc, il est là. Voilà. Si j'y arrive, voilà, je l'ai. J'ai tout rangé. J'ai re-rangé mon atelier parce que ce week-end, on a de la visite. J'ai le fils de mon mari qui vient. Donc, comme il dort dans mon atelier, il fallait que je fasse de la place. Donc, ça, c'est l'ancien. Hein. Je pensais que je l'avais pu, puis je l'ai retrouvé dans mon bazar. Donc ça, vous connaissez, hein. On ne peut que couper avec. Pardon. Et voilà le nouveau. Alors, le nouveau a une nouvelle fonction. Il peut faire des rainures. Youpi! Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Puisque je reviens tout juste d'Action. Alors, celui-là peut faire des rainures. Il a une lame de rechange, ici. Il a sa lame déjà mise en place. Et la noire, normalement, c'est la lame de rainure. En français, oui, rainure. Et la rose, c'est pour découper. Alors, on va l'ouvrir. Chose que j'aurais dû faire avant, pour être tranquille, mais bon. Alors, pour si vous cherchez après... ce nouveau massicot, il est au rayon papeterie, voilà, et il est 10 centimes plus cher que la noire est toujours en rayon, hein. Donc elle est à 2,99€ seulement, voilà. Donc on a toujours voilà, on a toujours la règle qui se déplie, voilà. Alors, par rapport à l'autre, voilà, celle-ci allait jusqu'à 34 cm. Et celle-ci est beaucoup plus grande, enfin beaucoup, elle va jusqu'à 40 cm. Donc, ça va permettre de couper des feuilles beaucoup plus grandes. Voilà, donc c'est déjà le petit plus. Là, elle s'ouvre toujours comme l'autre. Hein, voilà. Vous avez toujours les mesures en centimètres et en inch. Voilà, comme sur l'autre. L'autre avait la même chose. Hein. Là, bon, elle est blanche. L'autre était noire. Et donc, là, vous avez la rose pour couper. Et vous avez la noire, donc, pour faire les rainures. Donc, là, vous ne pouvez faire la rainure que ici, hein, bien sûr. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de rainure ailleurs. Mais bon, là, vous mettez votre feuille par rapport à la dimension où vous voulez faire votre rainure. Voilà, c'est pas un souci. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, puisque je viens de la déballer devant vous. Donc, ce que je vais faire, je prends une feuille... On va l'essayer ensemble pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce que j'ai une feuille ici? Oui, prendre une feuille de papier ordinaire, hein, pour pas user du papier scrap. Voilà, je vais prendre une feuille comme ça. Je vais vous baisser le champ de vision, comme ça vous verrez mieux. A tout de suite. Donc voilà,
Donc, on va prendre la feuille. Alors, on va commencer par couper pour voir si le cutter va bien. Impeccable. Donc, ça coupe. Ça n'arrache pas le papier, hein, voyez. Elle a coupé d'un trait net. Et maintenant, on va essayer de faire une rainure. Donc, voilà. Donc, on va laisser en haut le curseur coupant. Et j'ai ici en bas, donc, le curseur pour faire la rainure. Impeccable. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien. Et donc, je peux maintenant plier ma rainure. Super, vous voyez. Nickel. Maintenant, on peut faire les rainures sur nos créations sans devoir acheter. Vous rappelez, moi j'avais la grande tablette bleue, je ne sais plus son nom, que j'avais même revendue, qui coûtait quand même assez cher. Et là, du coup, on peut maintenant faire les rainures avec la tablette d'action sans aucun problème. Donc voilà. On peut en refaire un si vous voulez, pour revoir, on va faire dans l'autre sens. Hop. Ça glisse tout seul, hein. Voilà. Et... Hop. J'ai peut-être appuyé trop fort, mon papier là est trop fin, c'est un papier assez fin, voilà. Mon papier n'est pas assez épais. Là, j'ai appuyé moins fort, donc ça va mieux. Donc, voilà. Bon, ben, ça a l'air d'être bien. Conseil, n'appuyez pas trop fort. Et prenez un papier plus épais. Oui, là, c'est un papier qui va en imprimante, donc c'est pas assez épais. Je crois que c'est un 80 grammes, donc c'est pas assez épais. Je vous remonte. Hop, 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 hop. Voilà. Oui, donc bon, ça s'est cassé, mais je vous dis, j'ai appuyé trop fort, il faut que je m'y habitue, puisqu'avec la grande tablette bleue, j'appuyais fort, moi, avec mon stylet, et donc il faut que je me reprenne à l'habitude, voilà. Donc je ferai des créations avec du pliage, pour vous dire vraiment ce que j'en pense sur une vraie création, voilà. Mais bon, ça m'a l'air pas mal. Mais bon, donc avec un autre papier, hein, parce que là, ce papier-là n'est pas bon pour faire du pliage. Voilà. J'ai juste repris une deuxième chose, j'ai pris trois choses en tout, parce que bon, de toute façon, là, je ne peux pas acheter en ce moment, mais bon, ça, je la voulais. J'ai vu qu'il y avait des stylos colle, voilà. Donc, ça, je les essaierai. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors, je vais vous les ouvrir. Parce que j'ai déjà eu des stylos colle de marque. Alors, j'avais cette marque-là, la marque Nouveau. J'en étais pas contente. Il est là, d'ailleurs. Donc, vous, si vous l'avez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ici, donc, on a deux stylos différents, un bleu et un rose. Le rose, voilà, l'embout, un embout épais. Et le bleu, un embout plus pointu. Voilà, donc pareil, bon, ça je l'essaierai, je vous redirai ce que j'en pense. Et ça, ils appellent ça les bâtons de colle, c'est 1,09€. Alors, est-ce que c'est pour les deux? Ah bah oui, c'est 1,09€ pour les deux, puisque c'est un seul paquet, suis-je bête. Donc, 1,09€ pour les deux,
Voilà. Et j'ai pris, parce que ça, j'en avais pas encore pris, mais je les voulais depuis un moment. Donc, j'ai sauté dessus, tant qu'à faire. C'était 1,95 €. C'est les fameux papiers donc, qui ont différentes épaisseurs. Donc, il y a du blanc. Il y a du... Comme ça, hein, vous aurez compris. Et du noir. Voilà. Donc, il y a plusieurs épaisseurs de papier dedans. Il y a du fin jusqu'à du épais. Ah, par contre, il ne marque pas les grammes. Non, les grammes ne sont pas marqués. Enfin, il y a du fin jusqu'à du épais dedans, dans les trois couleurs. Donc, ça, c'est bien pour faire les fonds de cartes, les fonds d'album. Voilà. Donc, c'est les seules choses que j'ai achetées. Et de toute façon, je pense que ce sera les seules choses que j'achèterai ce mois-ci à Action. Hein, puisque ce mois-ci, je ne peux pas, pas du tout. Mais là, j'avais vu ce massicot. Et j'ai dit, tant pis, pour 3 euros, enfin 2,99 €, je vais le prendre avant qu'il n'y en ait plus. Donc, voilà. Bon, à part ce petit arrachage de page, mais parce que je vous dis, j'ai appuyé trop fort. Vous voyez, le deuxième, quand j'ai fait le deuxième, ça n'a pas bougé. Donc, n'appuyez pas trop fort si vous prenez des feuilles pas trop épaisses. Je le trouve pas mal. Voilà, pour l'instant, il coupe bien. Donc, vous avez une lame de rechange à ne pas perdre. Donc, à bien mettre en place. Les lames de rechange de l'autre n'iront pas dessus, hein, puisque vous voyez, c'est pas la même, la même grandeur. Pardon. Et ça, ils ne les ont pas en individuel. Donc, est-ce qu'on peut en trouver d'une autre marque après pour remettre dessus? Je ne sais pas. À voir. Voilà. Donc, il y a une petite flèche dessus pour le sens. Hop, 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 hop. Voilà. Pour remettre. Donc, voilà. Donc, elle se remet dans ce sens-là. Vous voyez? Là, c'est le haut. Donc, vous remettez la flèche vers le haut quand vous devrez changer la petite lame. Mais là, bon, elle est toute neuve, je ne vais pas devoir la changer maintenant. Donc, voilà, c'était une mini-mini vidéo pour un mini-mini-mini-mini-haul Action. Je voulais juste vous présenter donc ce nouveau massicot pour les petits budgets. Voilà, donc à 2,99 €. Donc, bah, du coup, j'en aurai deux. J'ai encore celui de Lidl, hein, mais bon, celui de Lidl commence à souffrir. Mais bon, celui de Lidl va me servir encore pour faire les coupes en zigzag. Ou... Il a aussi un. Alors, celui de Lidl, c'est pareil, je l'ai mis quelque part, mais je ne sais plus où. Je l'ai rangé là ce matin. On peut faire des plis aussi avec. Et les coupes en zigzag, en pointillé. Voilà. Donc, il va continuer à me servir quand même. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, Fifi est en bas, mais bon. Donc, voilà, le nouveau massicot. Dites-moi si vous l'avez acheté et ce que vous en pensez. Bon, moi... Première utilisation, pour l'instant, ça va. On verra l'usage. Ça, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Hein, je ferai une carte ou quelque chose et je collerai des choses avec. Comme ça, je vous en reparlerai. Et puis voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. 10 minutes de vidéo pour une fois, c'est pas long. C'est rare que je vous fais des toutes petites vidéos. Mais. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a la vidéo précédente, n'oubliez pas d'aller la voir, hein, le tuto du mini-album, il y a une surprise à la fin, donc soyez nombreuses à participer à la surprise. Je vous y attends avec grand plaisir et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt, bisous bisous!